c'est un plaisir pour que le ministère de l'Agriculture accueille un troisième secrétaire d'État, qui c'est M. Michel Chancy, et qui joue une confiance président de la République là, avec chef gouvernement, pour que lui occupe poste de secrétaire d'État à la production animale. Chancy, Zamim, c'est un plaisir pour moi matin pour que moi procède à l'installation comme secrétaire d'État à la production animale. Moi crois que vous avez un pile sens pour le développement du secteur. Moi senti que vous avez un pile impulsion. Ou son homme qui dynamique. Dans le cadre d'un travail collectif, dans le cadre d'une collaboration avec toute transparence, ensemble, nous sommes capables de mettre main pour que nous permettre que le revenu éleveur soit capable d'augmenter, pour permettre que nous améliorer sécurité alimentaire et nutritionnelle population pays d'Haïti. Monsieur le secrétaire d'État, nous connaissons l'élevage là son poteau mitan, son carnet banque paysan haïtien. Il y a un pile problème dans le secteur ça. Mais il y a un pile opportunité que si nous arrivons à saisir le secteur agricole là, capable de contribuer à la croissance du pays d'Haïti. Problème, vous connaissez déjà parce que ça fait longtemps que vous avez milité dans le secteur. Cependant, je dis, nous avons sollicité dynamisme pour aider à aller plus vite. Parce que je dis à pays à une situation qui est difficile et l'agriculture li gen pour jouer un rôle déterminant dans le développement du pays d'Haïti. Et dans ce sens, ça, ou même, moi-même, toute équipe qui est là, partenaire nous tous, il faut que nous engagions nous pour que nous allions plus vite. Bureaucratie, il faut que nous ne pas mettre de côté, mais il faut que nous gardions qui ça le produit pour que aujourd'hui nous passions plus dans l'action. Aujourd'hui, c'est important pour nous-mêmes professionnels. Et m'a pas adressé à agronome yo. Nous n'avons aucune responsabilité sous dos nous. Faut que nous agis. Et moi pour un exemple vivant que me vive hier dans écloserie Ponsondé, c'est plus gros centre écloserie pays d'Haïti. Côté que grand projet pour fond clôture depuis 2 ans. Gen cob qui là. Clôture n'a pas fini. Ou arrivez sous la cour pour un bloc là. Un cob là. Mais depuis 2 ans, ou avez un cheval, ou avez un cabrit. C'est une éclosure. Ce n'est pas normal. Alors que un cob qui là, il faut que nous allions plus vite. Et nous espérons, dans une semaine, pas plus, nous souhaitons que clôture ça fini. C'est montrer pour nous montrer des exemples concrets côté gain des problèmes qu'il a et que nous gain capacité pour agir sur yo. Nous étions dans le sud dans la semaine qui s'est passée. Rivière Maniche presque fin prend ville Maniche. Et gain des financements qu'il a depuis 3 ans.
pour des travaux capables de réaliser. Nous comprenons qu'il faut des études, nous comprenons qu'il faut une élaboration du plan d'aménagement. Mais cependant, nous pensons tout que il y a des actions qui sont capables d'entreprendre pour permettre de nous sauver la population. Les paysans, c'est environ 60% de la population du pays d'Haïti. Peut-être ça, activité élevage, activité la pêche, production viande, lait avec œufs, c'est une activité qui intéressait plus fort haïtien. C'est vrai, nous acheter dans un pays étranger en pile viande poule, œufs, harengs, harengsel, lait. Mais tout, il faut connaître que dans les affaires production nationale, viande bœuf par exemple, avec viande cabrique, nous parmi champions dans la zone Caraïbe là. Le nous entraînons en market, qui produit haïtien nous joignent qui n'a plus gros quantité, qui fait plus roulement et peut-être qui vaut plus l'argent. C'est viande. Il y a un chiffre qui démontrait qui gens activité production viande bœuf. C'est la première ou deuxième activité production agricole dans le pays. En fait, paysans yo mettez sous marché national là chaque année une quantité viande bœuf qui vaut environ 180 millions de dollars américains sous frontière même le, ça fait sans contrôle l'état dominicain acheté nan men nou chaque année pour plus passer 50 000 têtes cabrites qui fait que entre 15 à 30% viande cabrite yo mangé Saint-Domingue c'est Haïti le sorti. Dernier recensement agricole là, nous comptait presque 1,3 million têtes bœuf qui n'en met 550 000 familles paysans à 2 millions cabrites. Ça veut dire 30% haïtiens impliqués dans l'activité élevage bœuf par exemple. Qui fait production animale, c'est une plus grosse activité économique pays. Il représentait 6,5% PIB national là et 25% richesse que toute agriculture a apporté par le pays. Pour nous protéger l'activité ça, et puis pour nous servir avec elle plus bien pour développer le pays, depuis quelque temps, le ministère de l'Agriculture a monté dans presque chaque 570 sections communales que nous gagnons, une organisation qui relie GSB, qui veut dire Groupement Santé Bête. C'est une organisation que nous faisons ensemble avec organisation paysan avec agents visant que nous déformer. Et nous tous nous d'accord pour nous dire que pour tout mi-temps activité développement, c'est question organisation. Et bien, dans le prochain mois, Cap Vinio, dans le cadre du plan d'action ministère, nous prenons le travail pour corriger SB Sayo. Et puis, c'est comme ça tout, dans chaque commune, ensemble avec magistrats, collectivités territoriales, nous avons continué à mettre comité communal campé pour protéger Betio. Et c'est ça qui va permettre nous, un, que nous continuions à former et encadrer plus d'agents vétérinaires pour vacciner Betio plus bien. Ça va permettre nous, très bientôt, lancer un système pour identifier tout bœuf. En fait, pour nous barrer route à phénomène vol là. Voler qui quittait Betio sans souffle. Et puis ça va permettre nous mettre contrôle dans la façon de trouver bête dans le pays. Et ensemble avec le ministère de la Santé publique, nous déjà prenons disposition pour nous voir comment retourner avec le service inspection viande. Donc tout ça rentre dans le cadre d'un objectif qui c'est mettre plus viande, œufs, athlètes sous marché à disponible pour la population. C'est permettre aux paysans, aux producteurs, de faire plus l'argent. Et puis, troisièmement, tout, c'est faire élevage là, une façon pour nous protéger l'environnement. Et comment nous pouvons faire ça? Tout partout, mais surtout sous terre pentue. Dans 30 bassins versants critiques que nous avons dans le pays, qui finissent déboisés. Côté où nous ne planter maïs, pitimi, à aucun autre culture qui m'a des sacs. Pour nous diminuer la force de l'eau, nous pouvons faire promotion. Culture zèbre avec pied bois qui est capable de bête manger et qui permet de produire plus de viande avec plus de lait. Ensemble avec la collectivité territoriale, nous pourrons faire promotion du système élevage agroécologique. Ça.
Et puis, nous pourrons travailler pour faire tout le monde respecter la loi. Code rural pays d'Haïti, qui par exemple interdit l'élevage libre. Troisièmement, pour promotion de nouvelles activités d'élevage, et puis pour nous capables de faire formation aux producteurs. L'objectif, c'est pour nous gagner dans chaque section communale pays un centre démonstratif modèle pour production cabrit, une station pour croisement bœuf à cabrit qui permet de nous améliorer la race bête, une laiterie pour transformer l'aide et un abattoir qui répond à toutes normes d'hygiène pour garantir la qualité de viande. Toujours dans la question de réhabilitation environnement, nous parlons de corée production de sirop miel là tout. Il y a environ 8 à 10 000 apiculteurs dans le pays. Nous avons cherché à travailler plus avec l'organisation pour être capable de jouer une formation, équipement moderne, une façon pour faire plus de corps et puis pour le pays d'Haïti recommencer à exporter miel, j'en sais qu'on fait tant longtemps.